Marguerite et la soupe de légumes. C'est la moitié de l'hiver. Il fait vraiment froid ici. Bonjour Marguerite et bonjour Timmy. Mais tu as l'air si pâle. Tu trembles. Veux-tu boire quelque chose de chaud? Regardons dans la cuisine si nous pouvons faire un repas chaud. Ici, il semble qu'il n'y a rien qu'on puisse utiliser. Regarde, il y a notre mystérieuse boîte. Regardons ce qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est des tranches de pâte. Elles sont utilisées pour faire de la soupe. Nous avons de la chance. Timmy, Marguerite, allez trouver des choses que nous pourrons mettre dans la soupe. Cette fois, nous allons manger une délicieuse soupe chaude. Bien, je vous verrai tout à l'heure. En même temps, nous allons préparer la table. Lesquelles de ces assiettes nous pouvons utiliser pour manger la soupe? Exact! C'est une assiette creuse. C'est adapté pour les soupes. Parfait! Et de quel couvert utiliserons-nous? Une fourchette? Une louche? Ou une cuillère? Exactement! Tu devines bien! Une cuillère! Très bien! Qu'avez-vous trouvé? Une tomate! Un céleri! Une banane! Un oignon! Un morceau de chocolat! Et une carotte! Bien! Prenons une tomate, un oignon, une carotte et un céleri. Et faire bouillir. Ça va nous permettre de faire une bonne soupe de légumes. Ou des choses que nous pourrons bien manger. Nous devons faire bouillir les légumes pendant 30 minutes. C'est chaud! Regarde toute la vapeur! La soupe est vraiment délicieuse! Merci Marguerite! Essaye de ne pas rester trop au froid et mange beaucoup de fruits et veille à ne pas tomber malade. À bientôt et à la prochaine recette!